Bonjour à tous pour ce nouveau live, cette fois dédié à Orbitalis, Orbitalis avec un 0 au début. C'est un jeu créé par Alan Zucconi qui est disponible pour à peu près 3€ en Early Access sur Steam. Et Alan Zucconi en fait avait déjà fait ce jeu pour le Doom Dare 28. Il avait été assez réputé à l'époque, bien aimé par tout le monde, et du coup ils en ont fait un vrai jeu. Alors tout de suite on va commencer pour essayer d'expliquer le concept. En espérant que tout fonctionne bien. Je vais relancer le premier niveau pour expliquer. Voilà. Salut Pascal! Mais si, Gang of Space, je t'aime. C'est juste que j'aime bien quand il y a plus de monde. Même toi aussi, je pense. Donc alors, le concept de Orbitalis, c'est simple. Vous devez lancer votre petit satellite dans l'espace. Et le but c'est de rester le plus longtemps possible. Alors vous avez une sorte de cadran autour du niveau, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un cadran qu'il faudra remplir en termes de temps sans mourir, sans s'écraser sur quelque chose. Et c'est plus ou moins long en fonction des niveaux. Donc là on va commencer par le premier. On va essayer de tourner autour comme ça. Voilà, faut que je survive 3 secondes. Et là je sors de l'écran. Et je suis sorti trop rapidement de l'écran. Continuons, on va essayer de tourner autour de lui. Hop, hop là. Ok, s'il me fait une boucle. Et c'est mort, mais j'ai quand même passé le niveau. En 5, j'ai résisté 5 secondes. 888, c'est pas top, hein. C'est pas beaucoup. Alors, deuxième niveau, ça va se compliquer parce que là maintenant il y a un soleil au milieu. Il y a mon petit carré de satellite qui me sert de base, mais j'ai aussi un tout petit satellite triangle qui tourne autour du soleil et lui il va m'embêter. Vous n'imaginez pas à quel point. On va essayer de perdre du temps en traînant par là, hop, oh, c'est ça, revient. Il va tourner autour du soleil et il va se cracher sur le carré, mais c'est bon, ça passe. Ça passe. Ça passe. In extremis un peu, hein. Ah, alors là, ça se complique, 3 carrés. Hop, j'essaie de tourner autour du soleil. Hop, ça c'est joli, et pouf, mais c'est pas grave, je l'ai passé, c'est bon. On est bon. Continuons. Ah, il y a beaucoup plus de niveaux que dans la version Ludum Dare, évidemment, c'est un peu même le principe du jeu. Salut Kirub, salut Skies. Et franchement, c'est, enfin déjà la version le Doom Dare était énorme. Là, il a vraiment mis les bouchées doux pour faire quelque chose de très fluide et de très sympathique. Alors ça change pas énormément du jeu de base, mais c'est en tout cas mieux terminé, on va dire. J'aimerais bien pouvoir tourner autour du soleil là. Ah, il va sortir de l'écran. C'est mort. C'est mort. Ah ouais, c'est tourné autour de lui. 2, 3. Et 4, il passe pas. Et il passe pas. Non plus. Ça passe pas non plus. Donc ouais, Orbitalis, c'est 4€. Hein. C'est en Early Access, donc il n'est pas encore terminé. Ils vont rajouter des niveaux et corriger quelques bugs. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu. Mais c'est vraiment pas cher. Hein. Et, faut voir que son créateur fait vraiment ça bien. De façon humble. Ce qui nous change un peu et je fais n'importe quoi. Ah 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 ah, non, c'est mort. Il faut que j'arrive à sortir un tout petit peu du niveau avec le soleil sans pour autant mourir entièrement. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Bien, 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 bien. Fini! Non! Oh, c'est pas possible. On va recommencer comment? On va recommencer comme ça. Vraiment, je puisse tourner autour du soleil et perdre un maximum de temps. Ah, bien, 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 tourne tout comme ça. Continue à tourner, hein. On est bon là. On est bon là. Déjà, le niveau est terminé. Mais en plus, mon satellite est super lent. Du coup, je prends un maximum de temps. Et hop, encore un tour. Et il ne se prend même pas. Ah, il s'est pris le satellite en dehors du niveau. C'est pas grave, 21 secondes, c'est pas mal. Dans les classements, je suis 239ème. Je crois que c'est mon meilleur score. Donc là, je vais passer ce niveau-là. Ah bah, je ne peux pas. Faut que je le finisse. Pour vous montrer le dernier que j'ai débloqué, qui est déjà super dur. C'est abusé. Bon, on va au moins passer celui-là, alors. Hop. C'est joli, ça.
Oh non! À rien! À une milliseconde. À une milliseconde, je perds. J'hallucine. Hop, passe par là. Ah mais non, mais il reviendra pas. Alors. Hop là, comme ça, tourne autour, te prends rien, non! Oh là là, mauvais timing. Ça s'en fout pas que je passe par là, faut que je passe comme ça. Non mais n'importe quoi. Je passe comme ça, mais en calculant un peu la trajectoire. Non! Oula, c'était un peu rapide. Ah, joli ça. Ah non, pas assez. Pas assez, pas assez, pas assez. Ah, c'est vraiment une question de timing en fait. Il faut peut-être attendre un peu d'ailleurs. Je vais attendre un peu. Essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, ça me paraît bien. Tourne, 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 tourne. Ah, il sort de l'écran. Tant pis. Il est sorti de l'écran. Oh, n'importe quoi. Alors, ça, c'est le gros fail, hein. C'est très mauvais. Aïe. Tourne, 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 tourne. Ah, il tourne, c'est bien. Il tourne, c'est bien, je perds du temps. Impeccable. Et là, il va se cracher sur le blanc. Non, même pas. C'est bon. C'est fait. Tourne, 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 tourne. Oh là là. Bien, 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 bien. Plein soleil. Même pas. Ah. 20 secondes. C'est plutôt cool. Je suis content. 192e, ça va. Alors, je reviens au menu. Voilà, au menu de sélection des niveaux. Et, bah, de toute façon, j'étais à l'avant-dernier. Où j'ai débloqué Sedna. Sedna me pose problème. Je n'y arrive pas. Vous allez essayer de m'aider. Salut canard! Alors, le problème de ce niveau. Salut canard, ça fait super longtemps, je suis trop content. Le problème de ce niveau, c'est que donc vous avez un petit satellite blanc au milieu. Que j'entoure là. Et vous avez un autre petit satellite qui arrive. Donc du coup, moi, de base, j'ai envie de tourner autour du petit satellite. Mais le problème, c'est qu'une fois que le plus petit satellite va arriver du haut, il va complètement chambouler ma physique. Et du coup, je vais me cracher dessus. Et en plus, c'est super lent pour le faire. Donc il n'y a vraiment rien pour plaire. Bon, là, par contre, j'ai vraiment galéré. J'ai fait n'importe quoi, du coup. Voilà. Du coup, mon truc est parti en l'air. Alors. Tournons autour. Voilà. Je peux tourner autour de lui comme ça. Du coup là c'est bon, je perds du temps, ça peut le faire. Mais au bout d'un moment, il va quand même le toucher parce qu'il part vers la droite. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une plus grosse boucle, comme ça. Puisqu'il va partir vers la droite. Mais vous allez voir que malheureusement quand je fais ça, le satellite du haut me chamboule totalement et mon petit curseur tape dedans. Là voilà, là ça va chambouler la physique et paf! Ça fait des chocs à pic. Alors on pourrait peut-être faire un plus grand comme ça. Comme ça avec des grandes boucles. Je sais pas ce que ça va faire à l'approche de l'autre. Ah, c'est bon ça. Oh là là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. C'est joli en plus. Moi j'ai dessiné un zizi, hein. Comme vous pouvez voir, je suis un pervers qui dessine des choses bizarres sur des jeux bizarres. Mais là c'est quand même dans nos yeux. Ah mon dieu! Oh le mec il a dessiné un truc horrible. Ah là 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 là. Ah ce fail sublime. Bon. Qu'est-ce qu'il me dit sur le chat? J'ai dessiné un Skywheelie. C'est vrai, c'était aussi du ciel que j'ai dessiné. Ah, canard, comment je vais? Mais je vais très bien. Je vais super bien. En plus, je suis en vacances scolaires, donc du coup, je suis trop heureux. Et ouais, ça fait trop longtemps. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tout va bien pour toi. J'ai dessiné un Sky Willy. Alors là, je ne connais pas du tout. Ça a l'air compliqué.
Oh, il y a plein de petits satellites. Alors, les petits satellites que vous voyez ne sont pas forcément des satellites où on peut se cracher, on peut les traverser. Le problème, c'est qu'ils vous chamboulent votre gravité, par contre. Tant qu'à faire, hein. Alors, j'avoue que j'y vais un peu au pif dans ce jeu. Ouh, ça passe bien là. Continue comme ça, continue comme ça, continue comme ça, continue comme ça, continue comme ça. Ah non, mais à rien du tout. Il me manque rien. Hop. Bon, ça c'est très nul parce que je vais partir en dehors du niveau. Ouais. C'est dommage parce qu'il serait revenu, j'aurais perdu du temps et j'aurais pu passer le niveau. Hop, la petite boucle. Ah, mauvais timing. Pas possible. Mais arrête de faire ça, tu peux pas revenir. J'ai fait n'importe quoi. Je n'apprends pas de mes erreurs, comme d'habitude, hein, ceux qui me suivent le savent. C'est assez insupportable ça. Hop, on va faire des petites boucles pour voir si ça passe mieux. Oh, c'est... Ah bah non, c'est con, c'était joli. C'était plutôt joli. Alors, Vasquez profite du chat pour nous dire que qu'il a fini Octodad et que c'est pas top. Selon lui, à force, c'est chiant. C'est un peu l'impression que ça m'avait donné, c'est pour ça que je n'y ai pas joué d'ailleurs. Je l'ai même pas acheté. Allez, fais le tour. Ah non! Oh, joli! Oh, il a passé in extremis. Dommage que j'ai pas fini le niveau. Oh, bah, bravo, bien joué. Ça, c'est un fail. J'ai appuyé sans le vouloir. L'insu de mon plein gré. Vas-y, tourne. Oh, joli, 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 continue. Oh, j'ai une belle boucle là. Regardez cette belle rosace que je vous crée. C'est beau. C'est tellement beau. Et ben voilà, c'est passé. Oh, c'est joli. Ah, c'est plus joli que tout à l'heure, hein. C'est plus joli que ce qu'il y a eu dans le ciel. Oh, c'est joli, j'ai fait une belle rosace. Il est content. Ceci dit, je vais attendre parce que je vais faire péter le high score là en fait. J'ai un peu masterisé le niveau. Tranquille. Enfin, ceci dit, si c'est infini, je veux bien être premier du high score, mais ça va poser problème. Ah non, non, il y a la gravité, voilà, la gravité s'emballe. C'est pas grave, 53 secondes, tu combien? 53 secondes. 34e! Oh, je suis content. Skies, je peux suivre mon stream sans qu'il lag. Ouais, parce qu'en fait, le jeu est pas gourmand. Et je l'ai mis en faible résolution. Et surtout, hier, Twitch, il déconnait à mort, quoi, mais c'était insupportable. C'est insupportable. Mais ouais, puis c'est surtout moi, en fait, j'ai une meilleure configuration. Voilà, comme ça. Il est dur ce niveau. La gravité s'emballe beaucoup. Ah, puis il faut rester longtemps en plus. Tout le monde joue à Dark Souls 2 dans ta liste. Moi, j'ai même pas fini le 1. J'ai joué genre 10 minutes au 1. C'est pas ma came les jeux durs. Alors, j'aime bien pour l'expérience. Alors, j'y joue un petit peu. J'aurais bien. Oh, mais non, n'importe quoi, je l'avais vu. Hein. C'est dur ici. On va essayer de faire un peu au hasard, comme. Bah non, bah c'est pas bon ça. Voilà, tourne là. Je te crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Non, pas le soleil. Bon, ça c'est fait. Non! Ah, mais j'ai ripé. J'ai répété avec la souris. Donc en fait, c'est super fun. Hein. Je m'attendais à un jeu un peu plus ennuyant que ça. Mais en fait, c'est assez fun parce que la rejouabilité est directe. Et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tourne. Oh, joli. Oh, joli. Oh non! Encore un. Oh, c'est pas possible. À rien, à rien, j'ai fini ces niveaux-là.
Et boum. Pouf. Ah non, passe pas. Ça passe pas. Comment on peut faire? Ah, mais il y avait un moyen. J'ai vu en plus que la boucle s'était créée de façon à ce qu'on puisse. Non. Non, 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 non. Alors, moi, Dark Souls, j'ai fait le boss. Je sais pas, c'est un boss. Vous êtes dans une sorte de porte là. Au tout début, il y a une porte avec un boss. J'ai sauté dessus, je l'ai pété. J'ai recommencé 2-3 fois, mais. Une fois qu'on a compris le principe de combat, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. Mais c'est marrant, par contre. J'ai trouvé ça fun, quoi. Non, pas bon. Ah, c'est pas possible. Mais j'ai dû jouer 1 heure à Dark Souls, même pas. En plus, c'est super mal optimisé, donc dans l'heure de jeu, j'ai au moins 20 minutes de résolution à changer et de. J'ai lancé 3 fois le jeu de suite, un truc comme ça. J'ai galéré, hein. J'ai galéré. Et donc, je suis arrivé dans le monde là avec les premières âmes, je sais pas quoi, le monde des morts. On verra. Un jour, je m'y mettrai peut-être. J'ai pas trop le temps, malheureusement. Ça m'embête. C'est le seul défaut que j'ai avec le temps que je passe sur le site, c'est que je joue à tellement de choses que j'ai jamais le temps de m'y mettre sérieusement en fait. Je fais le strict minimum pour chaque jeu, je finis le jeu une fois et puis voilà. Alors, ce qui vient de se passer est assez énorme. Ce qui vient de se passer est assez énorme. Tout simplement, il s'est passé un truc chez moi, ça a fait du bruit, donc je suis allé voir. Et pendant que je suis allé voir, j'avais lancé mon satellite. Et ça m'a terminé la partie. Alors, vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est génial. Au moins, je suis 254e, j'ai fait 13 secondes 500. Ok, on continue. Ah, c'est quoi les petits satellites bleus là? Je sens qu'ils vont m'ennuyer ceux-là. Ah, ils attirent la. D'accord. Ils attirent le satellite en fait. Oh, il va se le prendre. Non, c'est bon. Ouf, sur le fil. Ouf. C'est pas mal le petit satellite bleu là. En plus maintenant il y a du gameplay qui change, donc c'est plutôt cool. Ok. Donc alors j'ai fini le deuxième niveau. Passons au troisième. On va à Alpha du Centaure. Deux soleils, super. Oh joli. Je sais pas si ça va tenir longtemps. Il faut que ça tienne, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Oh, du premier coup, quoi. Je suis étonné. Voilà. Ouais, dans le top, les 3 premiers, c'est vraiment le top du top. Il y a des mecs qui restent 2 heures dessus. Super. 2 minutes, pas 2 heures. Pff, 2 heures. 2 minutes, ouais, bon, là, il y a moyen quand même dans ce niveau, je pense, de faire 2 minutes. Non, c'est pas bon. Et boum, c'est pas bon non plus.
On va tourner tout autour en espérant pas sortir de la zone. Sors pas. Oh, comment je suis sur le fil du rasoir. Oh, comment j'ai grugé. C'est pas bien. C'est vraiment moche. J'ai grugé le jeu, mais d'une force. Bon. Il y a quand même pas mal de gens qui ont le jeu, je suis content. Que je suis mauvais, je suis 360e, donc ça veut dire qu'il y a au moins 360 personnes qui jouent au jeu. Ah! Comment je passe? Au passage, bon, ça parlera peu à ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, mais il est fort probable que juste après ce jeu, je joue à Nom Nom Galaxy, le dernier. La dernière petite bêtise d'un studio que j'aime bien. Alors, comme ça. Je voulais faire une session rétro ce matin, puis j'ai pas trouvé le jeu. Enfin, j'en ai plein des jeux, mais j'avais la flemme de l'installer. Mais ça le fera. Bah là, de toute façon, dans la semaine, il y aura. Waouh! Dans la semaine, il y aura du rétro, il y aura du live. Sauf ce week-end. Ce week-end, je sais pas si je ferai du live, si ce n'est peut-être pour me décompresser un peu. Parce que je fais la ludum d'arrêt. Et je flippe un peu, parce que je vais encore passer pour un con avec mon manque de talent en dessin et tout ça. Mais je sais pas, j'ai envie d'essayer. Donc on essaiera, on verra bien ce que ça fait, hein. C'est pas la première fois, je l'avais fait deux fois. La première, c'était exécrable. La deuxième, j'étais plutôt content de mon concept. Donc, faut voir. Ah, presque. Encore failli faire un Skyway, tiens. Ouais, Gang of Sai, j'ai vu ça. J'ai vu que vous aviez ajouté le petit bidon. Vous avez même dessiné le petit bidon en live, le petit bidon de Nom Nom Galaxy pour le mettre dans Gang of Space. Je m'en rappelle. Vascal, tu as Nom Nom Galaxy? Eh ben, si tu veux faire le test à sa sortie, ça ne me dérange pas. Parce que là, je vais faire une vidéo preview live. Mais par contre, j'aimerais bien ne pas faire le test à la sortie. Parce que déjà, c'est pas du tout mon genre de jeu, mais alors d'une force. Tu n'imagines même pas. Et en plus, j'aime bien faire en sorte que ce soit pas la même personne qui fasse la preview que celle qui fait le test. Enfin, ça, tu le sais un peu, hein. J'ai une connexion toute pourrie au fait, Pascal. J'ai une connexion. Enfin, en entrant, ça va, c'est en sortant le problème. J'ai 0,8 mégabits en sortant, je crois, un truc comme ça. Oh, oh non, dommage que c'était passé in extremis encore. Et je sais pas comment on augmente les mégabits, ou est-ce que ça change quand on fonctionne du fournisseur, ou est-ce qu'il me faut la fibre et il n'y a pas d'autre moyen. Si c'est ça, bah, il n'y aura jamais de bon live Game Size Story. Mais sinon. Non, il n'est pas prêt de sortir, Nom Nom Galaxy. Voilà, c'est bon ça. C'est bon ça. Ah, c'est bon. Je suis passé. Il n'y avait que 3 niveaux dans celui-là. D'accord. Ouais, c'est celui-là. Jiminorum. Ouais, donc je comprends pas pourquoi tant de gens font des lives, étant donné que peu de gens ont la fibre quand même, quoi. Enfin, moi je suis pas prêt de l'avoir. Ah, le bleu repousse le satellite, ok. Ouais. Bon, il le repousse, mais on va faire hop. Bah non, je l'avais pas vu. Haha, le fail. Trop bon. J'avais pas vu qu'il y avait le. On va faire comme ça. Voilà. Ah, mais non, mais il tourne pas après. Mais Skype, si c'est plus fluide, c'est parce qu'il n'y a personne sur Skype. Sur Skype. Sur Twitch. Il n'y a personne. C'est en basse résolution. C'est un petit jeu, donc cherche pas. Hein. Oula, c'est compliqué celui-là comme niveau. Je vois pas du tout ce que je peux faire.
On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Oui, on est bon. Hop. En termes de logiciel, faut que j'essaye Action. Il paraît que c'est sympa. Mais c'est payant. Mais après, il doit pas être bien cher. Il y a XSplit, mais XSplit, c'est un abonnement. Ça, c'est méga cher, par contre. Ça, eux, ils abusent, mais grave. Oh non! Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez! Bon, non. Ah, il reste sur place, il veut pas faire le tour. Oui, c'est bon ça. Ouais, il vient jouer. Je suis content, je suis content, je suis content. Fier de moi. Voilà, bon, on va arrêter ce jeu-là. Je trouve que c'est une vidéo qui montre bien ce que c'est exactement. En tout cas, moi je vous le conseille énormément. C'est un très très bon petit jeu. Ça s'appelle Orbitalis avec un 0. C'est Zero Orbitalis. Zero Orbitalis. Zero Orbitalis. Et donc c'est sur Steam, on y a accès. Ça coûte 3 euros, si je ne dis pas de bêtises, 2,99 ou 3,99. Et c'est vraiment bien, vraiment vraiment bien. C'est un ancien jeu Ludum Dare qui avait été remarqué, qu'ils ont un peu étendu. Et ça devrait sortir dans l'année. Ça ne devrait pas trop prendre de temps. Là, juste ils sont en train de peaufiner les niveaux, d'en rajouter, etc. Bon, il y a de très bonnes idées, des très bonnes idées depuis Ludum Dare, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon bah je dis au revoir à tous ceux qui nous regardent sur YouTube et à tout de suite pour tous ceux qui nous suivent sur Twitch. Merci, merci!